Bienvenue au grand manège Équipérior. Vous allez assister pour la première fois à un grand spectacle de Noël dans ce lieu. L'association Périgord de Matigue et ses bénévoles préparent depuis plusieurs mois ce spectacle. Pendant toute la durée de ce show, nous vous demandons de ne pas fumer et de garder pieds et mains derrière la rambarde. Mettez également votre téléphone portable en mode silencieux. Et si vous souhaitez faire des photos, désactivez le flash. Merci à tous. Nous connaissons tous l'histoire et la magie de Noël. Les préparatifs, les soirées en famille, jusqu'au moment tant attendu des cadeaux sous le sapin. Nous sommes à 3 jours de cette grande nuit de Noël. Et si ce soir, le Père Noël avait envie de nous donner autre chose que des cadeaux, un instant magique et unique. Bien sûr, si le Père Noël devait apparaître ce soir, certains chercheraient à tout prix à connaître la vérité, plutôt que de profiter de cet instant de magie. Alors vous, qui êtes venus ce soir, éloignez les mauvaises intentions et profitez de cet instant, de ce spectacle. Bienvenue à la féerie de Noël.
Cyprien ici. Merci beaucoup pour les cadeaux, la couverture, la grâce à Cyprien, Franck, le feu arial, Paco, de son radio, qui a fait la pub depuis 3 semaines. Sud-Ouest est présent ici et en bleu. Et puis il y a 2 personnes juste que je voulais juste remercier. Ils ont tous travaillé, on a mis en place ce spectacle depuis août. Voilà, on a travaillé progressivement, c'est une première, on se lève un petit peu à la maison. Il y a 2 personnes que j'ai demandé pour vous jouer. C'est Sandy et Francis, s'il vous plaît. Et pendant qu'ils rejoignent, vous pouvez les applaudir, d'accord? Pendant qu'ils rejoignent, je vais remercier tous les intervenants de ce spectacle. Eve, Francis, Léo, Brasil, Tika, Romain, Noah, Carla, Francis, Léonie, Julie, Béthier, Marie-France, Lucia, Francis, Chantal, Sandy et William, je ne vais pas rencontrer aujourd'hui. Voilà. Il y a 2 personnes en particulier parce qu'ils étaient là à toutes les répétitions. C'est Christophe et Tisha. Elles ont été vraiment, elles ont vraiment été là à toutes les répétitions qu'on a fait par exemple hier soir jusqu'à tard hier soir. Alors, Francis et Sandy. Oui, mais ils sont pas dans la vie. Juste une chose, s'ils sont un peu dévants en fait, c'est dans les 4 jours à venir. L'équivalent de toutes les bougies que vous voyez autour de moi, il y en a 100. Et bien là, eux deux, ils changent de disette tous les deux dans les 5 jours à venir. Ils ont 100 ans. À eux deux, je vous laisse faire le calcul, ça change de disette. Je voudrais juste leur chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon ben merci pour vous alors. Merci pour vous. Ici on ne sait pas faire sans dansant. Donc les danseurs sont venus, ils sont dans la boucle à la lière. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Les danseurs en particulier, les danseurs du métier, on a fait des pas de l'OM aujourd'hui, c'est la vie pour encadrer. Je pense qu'on va en taper, il y en a encore plus, on va tout, comme si il fait 33 degrés, tout juste, on va faire un spectacle de l'OM, on va encore plus piquer, on va en taper. Donc, non, là, on va commencer. On met les lumières en place et ça va être un bon. Mesdemoiselles, j'en ai besoin de ça. Merci à tous d'être venus, rentrez bien, passez une excellente fête. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association de Grégoire et Vécine, de voilà, c'était un premier grand spectacle. On fait une galette de roi au roi au tout début janvier. Vous êtes tous compliqués, vous avez vu notre Facebook, bah, c'est facile, vous avez fait Grégoire et Vécine. Et Vécine, comme vous êtes dans le ciel, en. Donc, merci à tous de vous être venus malgré le temps maussade de cette soirée. J'espère que le spectacle vous a plu. Plein de danseuses dans les danseurs. Bravo!